Scène 18, acte 1, action. Bonjour, je suis Guillaume Durif. Je représente un courant de développement de la force basé sur le principe de la biopsychosociologie. Et je tenais par cette vidéo à témoigner que tous les concepts de force édictés, tous les gens qui osent parler de force, de faiblesse, de déséquilibre, sont de parfaits incompétents car il n'y a pas de littérature scientifique qui nous permette de dire qu'il y a vraiment un rapport entre tout ça. C'est comme dire que les femmes font moins facilement des bar muscle-up que les hommes et que ça vient de leur longueur de cheveux parce qu'il y a plus de femmes avec les cheveux longs que d'hommes et que donc leur manque de force vient de cette présence capillaire. Je vais vous prouver qu'avec plus de cheveux que d'habitude, je peux quand même avoir de la force. Je vais invoquer aussi des pouvoirs cosmiques. J'ai fait des manipulations shinto-taoïstes sur ma colonne vertébrale qui vont me donner des super pouvoirs et ça n'a rien à voir avec les années d'entraînement de la force que j'ai vécu. C'est entièrement faux, tout ça est complètement faux. Moi aussi je pensais comme ça avant. Moi aussi je pensais qu'en m'entraînant fort, je deviendrais fort. Mais grâce à certains zététiciens, j'ai enfin compris le pouvoir du soulevé dos rond et du genou qui rentre à l'intérieur. Et en fait, je vais utiliser une approche vraiment biopsychosociale de la force en mettant une musique qui va me permettre d'entrer en interaction avec mon moi profond et l'ensemble des énergies cosmiques connectées de la salle. Je ne suis plus Guillaume Durif. Je deviens Dark Gius. J'ai des cheveux longs, mais je suis fort. Et ça n'a rien à voir avec ma force. Je tire cette force de mes cheveux. Je suis mi-homme, mage Sith, et j'arrive. Tremblez, zététiciens, tremblez!